ここにある、超対象水人形、もう一人の私に繋がるの字、噛み合う運命にねじれていく歴史は超次元対戦ネプテューヌ VS セガハードガールズ夢の合体スペシャル。Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode sur Super Dimension Neptune vs Sega Hard Girl. Alors, on continue, on s'est arrêté, on était autour de Mega Drive, si je dis pas de bêtises. Sélectionné, c'est ça. C'est ça. La vraie bataille, c'est parti. Direction Mega Drive Era. Let's go! C'est où? Allez là, MG Box. Bon, bah tout de suite parti, on y va. Hein. Ouais, elle est où la zone? C'est gentil, mais. Où le combat? Où l'event? Ouais, ok. Ça me dit pas où est cet event. Il est là-haut. Mais il est en face. Mais du coup, j'y... Comment j'y vais en face? Une corde, ouais. Ah là, il est là. Bon, allez. Le vrai combat entre. Pururut. Et la Sega Hard Girl qui est... Oh, j'ai perdu le nom. Bah, Mega. C'est pas Mega Drive, c'est l'autre. Enfin bon, soyons sûrs que de fixer l'histoire correctement cette fois. C'est juste avant Mega Drive et... On est juste au moment avant le combat entre Mega Drive et Plutia, je pense. Eh ouais, regarde là-bas. Nepi, Ifi, Segami, par ici. Segami-chan. Kochi, kochi. Oh, c'est Plutia. Hey. Quoi? Quelle histoire? Oh, ça va être trop long à expliquer. J'aimerais t'en parler. Mais bon, ne t'inquiète pas à propos de ça. D'accord, Nepi. Tu sais, si cette sadique arrive et est possédée, eh bien, on devra y aller jusqu'au bout. La forme transformée Plutia combattra toutes les forces du mal. C'est quelque chose que je veux même pas penser. Les forces du mal. Oublie ça, Mega Drive a dit qu'elle sentait comme si elle était manipulée. Ah oui, Ouais, vous vous rappelez de tout ça? Et de quoi vous parlez? Je suppose que c'est une question bête, mais
qui va faire ça? Ouais, j'ai pas de doute. J'ai pas tout compris. Ah, c'était lui depuis le début. Eh bien, c'est ennuyant. Je suis fatigué. Peut-être que je devrais faire une petite sieste. Par ici, petit. Attends un peu, s'il te plaît. Une longue section de dialogue va arriver d'ici quelques minutes. C'est juste après, là. Sois prête. Ah, vous êtes là avant moi? Ah, on est à la prochaine partie de l'histoire. Bien vu, Nepi. Tu vois, voir le futur, bah, ça a des avantages. On est juste ici. Enfin bon, tant pis, le fait que vous soyez là, ça veut dire que vous êtes en train de planifier de me combattre aussi. Actuellement, j'ai aucune intention de te combattre du tout aujourd'hui. Vous êtes juste ici pour regarder? Je pense pas que c'est vraiment poli de votre part. T'as pas l'impression... T'as jamais dit que t'avais l'impression que quelqu'un te manipulait? Tu veux pas savoir si c'est vrai ou faux? Attends. Comment tu sais à propos de ça? J'en ai jamais parlé à personne. Oh mince. Attends, Segami. À quel moment de l'histoire elle nous a dit ça? Maintenant, on doit lui dire... Tu dois arrêter de... T'embarrasser les gens comme ça, ok, ça va prendre un bout de temps. Ouais, c'est le moment des explications. Ah non, s'il vous plaît. Ouais, c'est le moment des explications, bon. Oh oui, ça c'est bien ça. Donc vous voyagez à travers le temps pour... chercher si l'histoire... Enfin bon, c'est un peu dur à croire quand même. Fais-moi confiance. Spécialement dans ta position aussi, ça va être dur à croire, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je peux me transformer en Seagard Girl. Si tu veux pas comprendre, on va le faire. Eh bien, ça fait sens qu'on partage le même sang, mais il y a toujours des questions. Comment es-tu capable de te transformer? Eh ben, j'ai pas la réponse pour ça. Je suppose que j'ai pas le choix, mais je dois vous croire. Eh bien... si ce que vous dites est vrai... Eh bien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, Plutia et moi? Vous devez battre la chose qui vous possède. Ouais, l'histoire avance plutôt rapidement. J'ai du mal à croire tout ça. Nep, tu parles de quoi là? T'as pas écouté toute cette longue explication quand c'est arrivé? On a coupé? Non, je pense que j'étais en train de dormir. Eh ben, si t'as pas compris, je suis sûr qu'on pourrait éventuellement... attendre jusqu'à la fin. Ok, bon, elle t'expliquera ça plus tard, je pense. Donc, comment je pourrais le combattre? Je sens pas comme si j'étais possédé. Et comment je suis censé le faire venir? Dans une autre zone, ces choses ont arrivé quand tu... quand on a essayé de changer l'histoire.
Eh bien, on a juste botté le cul de cette personne et elle n'était plus possédée. Ça a l'air vraiment gentil, on va dire, mais je suis supposé aussi d'être blâmé pour permettre à moi-même d'être possédé. Sans cesse blâmer elle-même. Est-ce que tu vas abandonner? Eh bien, faites ce qui est nécessaire. Vraiment? T'as l'air contente, je suppose que ça va être dur de dénier certaines choses dans un endroit plus pur. Ouais, je vais faire de mon mieux pour être gentille. Non, putain, non, tu transformes pas. D'accord, donc dis-moi, quand ceci va arriver? Peut-être quand il sent que l'histoire va être changée, il apparaîtra. Eh bien, vous êtes en train de suggérer qu'on n'a pas changé l'histoire du tout, mais comment on pourrait résoudre ce malentendu? Ouais, dépêchons-nous et faisons ça. Un petit, un peu plus longtemps. Pourquoi elle se transforme pas, If? Bah, je suis curieuse de ça. Mega Drive, est-ce que t'as d'autres choses avec Plutia? Oui, c'est vrai. Ouais, mais tu penses pas que si t'es possédé, ça va être un peu bizarre d'aller bien avec elle? J'ai compris ce que t'as dit, mais je peux pas vraiment aider et te dire comment je me sens. Ça prend trop de temps, je peux pas attendre plus que ça. Oh non. Eh non, Plutia, attends. Attends, t'as été trop rapide là, tu pouvais pas attendre un peu plus? Oh merde. Eh, je peux pas juste attendre que Mega Drive soit prête. Est-ce que quelqu'un d'autre veut jouer? If, Neptune, Segami. Qu'est-ce qu'il y a, Pluti? Oh merde. C'est moi ou elle est... ou c'est plus intense que son sadisme habituel? Non, en fait, me dites pas. Je vais vous exciter jusqu'au point de non-retour, ou peut-être... je vais vraiment vous casser, Ouais, ça a l'air vraiment amusant. J'adorais en écouter de la musique. J'adorais écouter la musique de vos os qui cassent. If, je veux pas vraiment dire ça, mais. Tu penses pas que c'est elle qui est possédée en dépit? Ouais, c'est une possibilité. Non, ne valide pas. Mes peurs les plus désespérées, c'est Plutia dont on est en train de parler. Ne me le rappelle pas. Attends, comment je pourrais éviter ça? Enfin, pour ajouter du crédit, je pense que Plutia était plutôt folle à l'idée de commencer. Je suis sûr que vous étiez en train de croire que c'était moi qui allait me transformer. Enfin bon, ça a pas l'air d'être une chose facile. Ouais. Enfin bon, allons-y, If Mega Drive. Ta voix est en train de trembler, Segami. Oh, enfin, c'est effrayant, tu sais. Je peux pas aider si je suis terrifié maintenant.
Allons-y, commençons, Plutia. Eh bien, si vous voulez finalement commencer, pourquoi ne voudriez-vous pas vous montrer un peu? J'ai besoin d'exposition. Vous allez payer pour m'avoir fait attendre. Oh non. Oh merde. Ce qui est bien, c'est qu'on combat Plutti avec Plutti. Lol. Alors, déjà, on va faire. On va se transformer en Dreamcast. C'est une très bonne chose. Et. On va faire ça. Et je suis désolé, on va expédier le combat. J'ai vraiment la flemme en fait. Voilà. Ouh. Allez. 100 000, voilà. On en est où niveau là? Bon. Eh bien, Flame Awakening. Et c'est parti pour Even Demon. Bon, il est rapide, il file un peu plus là. Wow. Bon, allez, on lui remet un petit coup quand même. Bon, c'est bien, c'est qu'on a encore un fever. Normalement. En plus, c'est Nepi qui va taper, c'est génial. Allez, c'est parti. Il y a Neptune Break. Ah, il y a 300 000 quand même, hein. Allez, on en est où? Ok. Allez, c'est parti. Plus de fever, du coup. On va se transformer avec Plutti. Forcément, il faut bien. Et on va les taper. Allez, c'est parti. Ah oui, mais en même temps, ça paraît normal qu'elle soit résistante. Ouais, Dream Rush. Ça va monter. J'augmente la fever en faisant ça rapidement. Même ça fait pas beaucoup de dégâts, mais regardez la fever comment elle a augmenté. En deux attaques, on a 50%. On va vite. Mais je suis trop con, pourquoi j'ai sauté? Ah bon, voilà, c'est fait. C'est fait, c'est expédié. Ah ouais, quand même, on a eu des points. Ouais, tout le monde qui level up, ok, on est obligé de voir. Wow. Oh oui. Ok. Oh wow. Elle se marre toujours autant. Je pense qu'on va devoir aller un peu loin avec elle. Je sais à quoi elle pense, mais je pouvais pas réellement anticiper qu'elle était aussi forte. Plutti est totalement folle. C'est pas bon du tout. Si on peut pas gagner face à elle, fixer l'histoire, bien, ça sera le dernier de nos soucis. Ok. Plutti, s'il te plaît, calme-toi, on est amis.
Je suis pas sûr qu'il va rester beaucoup de nous à ce rythme. Attends, quelque chose est pas bien avec elle. Comment avez-vous pu salir mon corps? Aïe. Attends, est-ce qu'elle est battue? Elle-même? Plutia? Finalement, c'est calme. Tellement rebelle. Maintenant, je peux être plus douce. Prends soin de toi. Okay. Est-ce qu'elle est consciente maintenant? Ouais, je pense. Sagami, essaye de la pousser un peu. Non, 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 pas moyen. Si je fais ça, elle va se réveiller. C'était fou. Tellement amusant. Ok. Elle est vraiment toute mignonne quand elle est comme ça, mais je suis fatigué. La même chose pour moi. Ça veut dire que l'histoire est fixée maintenant, vrai? Ou est-ce que tout ça, ou on n'a pas fini avec tout ça? Du plus profond de mon cœur, j'espère sérieusement qu'on ne devra pas refaire la même chose. Ouais, peut-être qu'on devrait rentrer et vérifier. Je suis pas sûr qu'on doit se dépêcher si rapidement, mais si l'histoire a changé maintenant, peut-être qu'on devrait rentrer et voir. Ouais, on devrait se dépêcher ou mon alarme va tirer partout, quoi. Heureusement, j'aurais pas à entendre cette voix idiote plus que ça après qu'on soit rentré. Je sais pas ce qui se passe, mais ne vous inquiétez pas. Quand Plutia se réveillera, je vais rester à côté d'elle et je discuterai avec. Et si l'histoire ne change pas après ça, je vais être tellement mal à l'aise. Je vais faire de mon mieux. J'espère que vous allez pouvoir... que je vais pouvoir vous rendre cette faveur. Ouais, nous voilà, tu vas devoir me payer ça un peu plus tard. Plus tard? Ah, ne t'inquiète pas pour votre ça. Allez, on y va, Nep. D'accord, prends soin de Plutie. Et juste comme ça, ils sont partis. C'est une tournure intéressante que prennent les événements. Ah, Mega Drive. Elle a l'air tellement heureuse, je suppose. Je vais garder ça dans un petit coin de moi-même. J'ai tout le temps dans ce monde de lui parler après tout. Ok. Bon bah retourne à la bibliothèque hein. Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de l'épisode Mega Drive sur Super Dimension Neptune vs Gardios. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un max de commentaires, ça fera super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode sur... c'est où le prochain? Bah sur Game Gear, voilà. Donc vous savez ce qui vous attend le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un max de commentaires, ça fera super plaisir. À la semaine prochaine et à vendredi. Tchuss tout le monde!